Ça t'ennuie si je fais ma prière? Non, bien sûr, vas-y. Je te remercie, je mets juste ma petite kippa. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allah. Amen. Et c'est quoi exactement ta religion? Oh bah moi je touche un peu à tout. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On n'est jamais trop prudent, hein. Si je meurs, Allah m'en préserve. Je voudrais pas m'être gouré de religion, donc j'en ai plusieurs. Avec la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'était quoi ça? C'est du juif. De l'hébreu, tu veux dire? Non, c'est du juif. C'est la prière de Shabbat. Bah, on n'est pas vendredi aujourd'hui. C'est difficile à dire, ça. Bah non, on n'est juste pas vendredi. Écoute, j'ai plusieurs calendriers, donc c'est difficile à dire. Alors, dans le doute, j'assure toutes les prières tous les jours. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Noël. Ah oui. Et ouais, cette année, ça tombe en même temps que l'anniversaire de Shiva. Ah bah oui, parce que t'es hindouiste aussi. Je suis tout. Personne n'est plus respectueux des religions que moi. Je parie qu'il y a une religion que t'es pas. Alors vas-y, teste-moi. Zoroastrisme, tangérisme, animisme, pastafarisme. Cocovatisme? Hein? Tu connais pas? Ça existe pas, ça. Si. Attends, c'est une religion qui dit que je suis le dieu unique, et que je réponds la bonne parole en cocovoite, et qu'il faut m'écouter si on veut avoir accès à la vie éternelle. Mais tu viens de l'inventer. Ouais. Mais comme toutes les religions, faut les inventer un jour. Oui, mais là, t'es pas un dieu, toi. Ben, peut-être que si. Eh, tu prendrais pas le risque. Comment tu dis, cocovoitisme? Cocovoitisme. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être cocovoitiste? Alors là, c'est pas dur. Il suffit de fermer sa gueule. Voilà. Ah, faut que je fasse le plein. T'as pas 50 balles? Eh, tu veux pas mettre un dieu en colère? C'est bien. T'es un bon disciple, toi. Waouh, c'était mon épisode de Cocovate préféré. Il m'a vraiment fait réfléchir à ne plus laisser la peur guider mes actes. Si toi aussi tu connais par cœur le troisième commandement, tu peux partager cette vidéo. Sinon, abonne-toi à la chaîne Cocovate. On publie deux épisodes par semaine.